0,5%. C'est pas bon ça. Ah, donc, comment il s'appelle ? Caillou, qui est à droite. Caillou, hop, et puis Picou à gauche. J'espère qu'il va rester tout le temps. Ah ! Ça prend ZSS, ça. C'est pour toi, ça, André. Il a fait ça pour toi, il t'a entendu. Ah merde, les scores aussi, les scores, les gars, les scores. Hop, bam, let's go. Du coup, c'est parti. C'est Caillou qui met la danse pour le moment. Alors en fait Pitou il a pléthore de personnages dans sa besace, hein. J'ai l'impression. Mais Caillou ouais qui mène la danse un petit peu là, on dirait. Je suis pas sûr que ZSS ce soit un très bon choix qu'on joue, je sais pas. Je ne connais pas suffisamment. C'est bien joué, hein. Il connaît bien son personnage, il sait à quel moment faire le B pour pas se faire avoir. Pitou est revenu dans la danse et là il y a 92% pour Caillou. Mais attention, attention, un seul smash, un seul tilt là à ce moment là avec le petit rage effect qui peut y avoir et ce serait la mort. Mais du coup il a forcé Shulk à mettre son Monado Shield. Pour le coup Shulk est un des pires matchups de DD7, alors je suis assez étonné. C'est peut-être pire avec ouais peut-être. Mais tout à l'heure il a pris Palutena mais... Et voilà quoi. C'est sûrement pire avec Luigi, je pense. C'est très certainement pire. Et là, du coup, ils arrivent pas alors à enlever la vie, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, le BE out of shield, c'est terrible. T'as le out of shield dans ce smash, c'est terrible. Hein. J'arrive pas à. Moi, je joue NES, alors du coup, j'en ai pas. Mais j'ai du mal à. Et du coup, j'ai du mal à l'intégrer. Il faudrait peut-être que. NES, Falco, tous les deux inutiles. Donc, je suis pas sûr que ce soit très utile non plus. Donc voilà, mais en tout cas sur Shulk ça marche très bien. Luigi aussi d'ailleurs, on a vu tout à l'heure. C'est vraiment une mécanique que je trouve un peu pété ça. Out of shield, tu devrais pouvoir mettre quelque chose, mais pas quelque chose qui tue. Hein. Pitou qui a du mal à enlever la stock de Shulk, c'est terrible. 153%, on n'arrive pas à le tuer là. N'importe quoi pourrait le tuer, hein, même. Il n'y aurait que en bouclier qui pourrait s'en sortir. Et voilà le up smash qui tue. Ah, j'ai juste oublié encore une fois de mettre GS. Paf. En espérant que je me fasse kick de aucune game, comme ça je pourrais les mettre sur YouTube les vidéos. Comme il va vite avec ce truc là, c'est incroyable. Ah, du coup, il se tape dans le vide et tout ça, c'est. Ah, le MB out of smash. Out of shield, pardon. C'est serré, hein, c'est serré des deux côtés, y en a aucun qui veut laisser le morceau de viande. Hein. Ah, il tente smash. Ouais, tu me diras 84%, 71% de son côté. Ça pourrait tuer. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a pas fait là? Pourquoi il allait le chercher? Je pense que c'est un petit peu de la chatte, il voulait juste se rapprocher de l'edge. J'ai l'impression que c'est quand même un peu chatounette. Mais si ça passe, c'est prévu. C'est que c'était prévu, on sait comment ça marche. Et du coup, balle au centre de nouveau, hein, on revient dans le truc. C'est quand même serré, hein, c'est deux personnes qui méritaient d'être dans la grande finale, je pense. Hein. Les deux arrivent bien à s'adapter. Tenter de lui griller son dumbi. Le mec joue plein de persos quoi Pitou, c'est vraiment le plus pratique, hein. Comme ça tu peux vraiment adapter ton jeu par rapport à qui tu joues en face, c'est vraiment terrible ça. Il y a deux écoles, hein. Il y a les écoles qui disent vaut mieux en jouer qu'un, et d'autres qui disent que c'est bien d'avoir plusieurs, et d'autres encore qui disent que c'est bien d'avoir toujours un second. Je pense que un perso main et un pocket fourre-tout, c'est top. Et le up B out of shield, encore une fois,
qui permet de prendre cette première game pour Caillou. Caillou, j'espère que t'as compris ce que je t'ai dit tout à l'heure. Reste à droite, s'il te plaît. Reste à droite pour rester en bleu. Et c'est pas loser, c'est winner. Quel couillon. Voilà. Du coup, on a perdu tous nos viewers hein, d'un coup. C'est fort, fort mal. Il n'y a pas de changement. Pas de changement des deux côtés. Et j'ai bien l'impression que c'est reparti très vite. Donc il n'y a pas de changement de terrain non plus. On était là-dessus tout à l'heure. Oh là, j'ai vraiment une mémoire. Hein. Je me rappelle déjà plus. Ils ont changé de terrain, je sais pas. Je sais pas, je vous laisserai me le dire, vous, dans le public. Du coup, il passe en ravage, hein, évidemment, à 0% pour gratter les pourcentages du début. Le petit contre qui est complètement foiré. Ça veut pas, hein, ça ose pas se venir dessus. Ah! Est-ce que je vais me faire kick? Ah, du coup, il a pris sa stock, j'ai même pas fait gaffe. Ah non, il perd une stock à 15%, le pauvre Pitou qui est. Ça va être la descente aux enfers, ça, hein, parce qu'une fois que t'as perdu ta vie comme ça. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais du coup, quand tu perds ta vie comme ça, t'es triste après. T'es malheureux et moralement, c'est dur de remonter la pente. C'est pas infaisable, mais c'est compliqué. Hein. Surtout contre un Shulk, hein. Vraiment, c'est un personnage compliqué. Et puis là, toi, ils sont fous, il avait 3 stocks, il peut tenter des trucs pour essayer de le griller. Même encore là, il pourra tenter encore des choses. Et voilà, c'est le 2-0 Caillou qui met la sauce hein, sur ces games. Tant mieux, ça nous fera finir plus tôt. Mais vraiment GG. Il a pas écouté ce que j'ai dit, hein, il s'est pas mis dans le bleu. Bon, c'est pas grave de toute façon. Vous avez bien compris qui est qui, je pense. Et le petit suicide là, ça l'a mis dans le mal. Ça a mis le pitou dans le mal, c'est. Caillou qui change de perso peut-être parce qu'il se dit j'ai 2-0, je vais tenter un autre perso. Le relou. Ah oui, t'as payé avec Tipeee, Andri, c'est pour ça qu'on n'a pas eu l'alerte tout à l'heure. En fait, sur le truc des dons, ouais, j'ai mis deux trucs, parce que Tipeee, tu peux regarder des pubs, ça nous donne des trucs, je vais l'enlever ça, je pense. Et si tu cliques sur l'image des dons, ça t'emmène sur le truc de dons Streamlabs, mais on a bien reçu tes sous. Merci beaucoup pour le don, n'hésitez pas les autres si vous voulez nous aider un petit peu et faire en sorte que... Pourquoi il est parti? C'est la grande finale, il y a... Ah, peut-être qu'il a un problème de online et qu'il a redémarré sa... Pourquoi est-ce qu'il est parti? Yes, merci beaucoup. Et puis, mais ouais. Du coup, je vais peut-être l'enlever ce lien Tipeee. Et ouais, les autres, n'hésitez pas. Si vous voulez nous aider, on fera des cash prize sur les autres tournois. Ça nous aide pour cela. Parce qu'on donne 15€ de la poche de l'assaut. Hein. Donc voilà. Je refais un peu la pub, mais voilà. Des abonnements, des bits, des dons, tout ce que vous voulez. On prend, n'est-ce pas? Sneakers, tout, pour tout. Ça peut le faire, on peut s'arranger. Je pense qu'il a redémarré sa box ou une connerie comme ça parce que il était parti de la game. Je sais pas ce qu'il a foutu.
Ils se sont mis d'accord, ils jouent en aléatoire et l'autre en doudou, quoi. Super. Super. Bon, du coup, Caillou, c'est Rondoudou. Et il tombe sur Shulk. Et du coup, Pitou qui joue Shulk. Alors, ça, c'est magnifique. Il a mis aléatoire et il a eu Shulk. Il joue Rondoudou dans mon skin, le Caillou. Hein. C'est mon skin, hein, la fleur, là, comment elle s'appelle? L'hibiscus. Oh, yaya, le pauvre Pitou hein, qui galère avec Shulk. Terrible. Ils veulent pas nous offrir du spectacle, hein. Ils veulent finir sur des conneries, quoi. Il faut utiliser les Armonado, mon vieux Pitou. C'est pas facile de jouer Shulk quand vraiment tu le joues jamais. C'est un perso qui est très fort quand tu sais bien jouer, mais par contre quand tu sais pas jouer, bah c'est terrible, quoi. Après, il a une grande épée, hein, tu peux tricher. Voilà, faut faire des B out of shield, on est bien. Oh là là! Qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il a même pas. Il a pas mâche du tout, Pitou. Il s'est laissé bercer dans la mort. Et c'est le puppy qui passe. Oh, il s'est suicidé. Il en a eu marre. Il en a eu marre, je pense qu'il en a eu marre. Ça l'a saoulé le online. Et ben, GG à Caillou. C'est 3-0. C'est Caillou qui emporte cette bagarre online. La bagarre online est remportée par le Caillou Goyu 3-0. GG à tous les participants. GG à tous les participants et merci à vous d'avoir participé et d'être venu aussi pour Rival of Fighters. Ça fait plaisir. On a un peu plus de monde que la dernière fois, donc c'est en bonne voie. Mais là il y a eu 3-0. Hein. Il y a eu 3-0, c'est terminé. C'est terminé. À moins que. Bah non. Si t'es mis d'accord ou quoi, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc voilà, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, etc. Twitter, Facebook, Twitch, Super Smash Out, c'est partout pareil. Et voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour des viewer battle contre moi ou Blaster si jamais. Et à bientôt surtout. On vous quitte sur quoi? On vous quitte sur ça. Allez, on remet ça pour vous quitter. Merci beaucoup, bonne soirée. À bientôt.